Salut la station, les 73 51 de Dundee 33. Attends, voilà. Je m'approche de Dundee 33. Ah, il doit y avoir du QRM. Oui, la station qui a lancé appel, les bonnes 73 51 de Dundee 33. Buffalo 33. Ah bah oui, ça me parle. Ouais, ça me dit quelque chose. Oui, Dundee 33, HI 3 coups, du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Alors il est 8h15. Attends, c'est assez... Attends, je suis en train de faire des micmacs en plus, là, de mon côté. Je suis où? Je fais quoi? Attends, 2 secondes. J'ai l'impression que je suis en train de mélanger les crayons dans les fils. Hachi. attends, j'ai pas compris. Oui, à côté de Castillon, sur un petit village Sainte-Colombe. Bon, pourquoi la caméra? Ah oui, ok, d'accord, affirmatif, oui, ça y est, maintenant ça me revient, oui, 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 c'est ça, oui, eh bien, ben là, aujourd'hui, je suis en repos, voilà, je suis en repos, j'ai bossé là tout le week-end en journée, là, du coup, là, du côté de Saint-Émilion, ben là, je reprends ben, demain soir. Je vais pas brancher l'alimentation. Ouais. Je suis con. Ouais. Ok, voilà. Attends que je rende un truc. Ah oui, 8h18. Ok, d'accord, c'est bon. Ok, bah oui, bonne année, c'est vrai. Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, plein de QSO et tout, ceci, cela. Plein de bonnes choses pour cette année. Ben là, c'est toi, là, je me suis levé à 7h, là, ce matin. Le premier réflexe que j'ai eu, ça a été d'allumer le poste. On marque comme à chaque fois. Du moment que je mets un pied par terre, qu'est-ce que j'allume en premier? Le poste. Après, le reste, on voit. Hachi. D'accord, mais là, t'es en couche, alors, si je comprends bien. Non, là, je suis au QRA. Je suis à la maison, je suis chez moi, là, sur Sainte-Colombe. Ah bah oui, parce que là c'est du 43 de mon côté. On remarque que j'ai qu'à augmenter un petit peu le volume aussi. Voilà. Bon, c'est du Santiago 3 de mon côté, ça passe bien. Hein. Bah nickel, parce que le même temps que je suis arrivé dans le pouce, hein, c'est un Lincoln de Cric, hein, et voilà, j'ai adoré, je me suis offert une petite Sirio Tornado, on verra bien ce que ça va donner plus tard. Ok, ah bah oui, ça marche bien, bah oui, je comprends mieux pourquoi ça marche bien, ouais. Ouais, effectivement, bah ouais, c'est, bah pour le poste, de toute façon, ouais, dans le push, j'ai la même chose aussi, hein. C'est, j'aurais bien aimé un striker, quelque chose comme ça, mais quand je vois les prix à 500, 600 et quelques euros, ah non, je peux pas. Le Lincoln de plus est déjà très bien, quoi. Ah, chi. Alors 8h20, ouais c'est ça. Sur la Dordogne et la Charente-Maritime, si tu chasses le
sous contact en USB. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Tous les soirs, ils sont là. Ok, ben pour les stations de la Dordogne, le problème c'est que je suis très mal placé pour les attraper. Je suis au pied d'une colline et ben ça me cache justement tout le côté Dordogne. Tu me dis quel canal, quelle fréquence ? Alors 37 supérieur, ah oui, 27 825. Ouais, c'est vrai que je me promène jamais si haut, hein. Surtout pour du local. C'est le local, ben comme tu le vois ce matin, je vais plutôt venir le chercher de ce côté-ci, là du côté des 40 cadeaux homologués quoi. C'est plutôt de ce côté-là que je vais le trouver, que je vais le chercher le local. Tout ce qui est sup, on va dire que dans ma logique, eh bien, les sup, c'est plus pour le DX, c'est plus pour la longue distance. Et du côté 40 canaux homologués, eh bien, plus pour le local. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. J'ai le micro qui est un petit peu fort. J'ai un petit retour dans le HP. Ah ben moi j'y suis très souvent, hein. Et c'est vrai que assez souvent ça m'arrive de répondre à des stations, mais bon, qui m'entendent pas forcément parce que de leur côté ils ont du QRM. Là j'ai vraiment eu de la chance. Tout à l'heure, avant, là, sur ton premier appel, j'avais répondu, bon, c'est pas passé. J'ai recommencé à nouveau, bon, le deuxième coup, c'est passé, nickel, et puis là, bon, c'est bon. Ok, les bonnes 73-51 à toi, merci pour ce petit contact. Bonne journée, à plus. Alors, petit rappel, je sais, on est sur le 19. Je sais, c'est un canal d'appel, mais pas n'importe lequel, le canal d'appel de la route. Bien souvent, les stations qui sont dessus, pour une question pratique et on va dire de sécurité en même temps, restent dessus pour ne pas quitter les yeux de la route. Donc là, ça s'explique. Bon, le vrai canal d'appel, ce serait plutôt le 27. Là, ok, le 27, on appelle plus QSY. Là, c'est plus à la bonne franquette, du moment que ça ne dérange personne. Quelqu'un d'autre veut lancer appel, eh bien, pas de problème. Hein. Il lance appel, hein, y a aucun problème là-dessus. Hein. Et ça fonctionne dans le meilleur des mondes. Wally, voilà. Maintenant, faut pas confondre le canal 19... Et la fréquence Facebook, HI 3 coups, c'est-à-dire le 27555 qui est pas mieux que ce que l'on voit sur Facebook. je vous laisse deviner. HI. Bon alors, j'ai eu un petit retour dans le haut-parleur. Si ça se trouve, ce retour est généré par le filtre DSP qui est derrière. On peut pas tout avoir. Maintenant, si je coupe le filtre... Il y en a qui vont pas être contents. Dans ceux qui vont écouter la vidéo. Voilà. Alors, certains m'ont dit aussi qu'il y avait plus de QRM en AM qu'en BLU. Tiens, par exemple. Ok, alors, est-ce qu'il y a plus de QRM en AM qu'en BLU ? Je coupe le filtre pour avoir le son en intégralité. Ben, je vois pas moins de QRM. En FM, bon, ben évidemment, ça bombarde, mais pas autant que si j'étais sur un poste de CBI. Bon, on sent une petite différence quand même.
Bon ben voilà. Il y a du monde sur le 19. Alors avant de commencer la vidéo, j'entendais au loin, mais c'était trop QRP. Hein. C'est non, c'était pas possible. Là, ok. Par contre, je me souviens plus de son QTH à lui. Je crois qu'il l'a dit. Je sais plus. Bon, ben plus tard. Alors, j'étais pas à côté du poste, mais ça m'a moustaché comme il faut. Pourtant, là où j'habite, je suis assez isolé, mais pour me moustacher comme ça, c'est vraiment passé à côté. Peut-être même dans ma rue, oui. Un convoi exceptionnel, c'est pas possible. Et puis, comment c'est foutu, il pourrait pas tourner. Ah, en FM, le filtre DSP, il fait son travail, hein, y a pas de problème. Hein. Déjà qu'un DK, ça filtre déjà bien à ce niveau-là. Ah. Et parce que m'avait demandé si j'avais eu des ressabines, tout ça, j'ai dit non, non, non. Et là, ça m'a pris jeudi soir, le vendredi midi. Et tout le côté, où... Ouais, bon là c'est du privé. Je veux pas... Le privé reste privé. Ah oui. Sans filtre DSP. Avec le filtre. Il n'y a pas photo. Hein. Bon, depuis cette nuit, ce matin... Le groupe RCKM, Radio Communication Kilomag, je vais y arriver, est en contest DX ben jusqu'au 29 février. Alors les stations, regardez bien le règlement, le calcul des points. Il y a des trucs assez intéressants. CQ CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, secteur le Castillonnet. J'avais oublié comment ça s'appelait, moi, sur la région, exactement. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille de rechercher un petit peu, c'est... Quand Gilles 9 Bravo Charlie du 9 Bravo Charlie 555 là sur le Québec donne son QTH, enfin son il est à point de calumet, mais à chaque fois c'est alors il dit ah ben zut, il le dit tous les jours, il est Laurentide, je sais plus. Si, je crois que c'est ça, les Laurentides. Oh, je sais plus, quelque chose comme ça. Je me suis dit, tiens, et de mon côté, comment ça s'appelle au niveau de la région, au niveau des environs? Allez, petite recherche sur Google. Ben oui, en toute logique, je suis juste à côté de Castillon, de Castillon-la-Bataille. Donc, région castillonnais, ou région castillonnaise. Ah ben oui. CQ, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis la région castillonnaise, le sud-ouest de France, département de la Gironde. Ça le fait, hein? Ça pète, hein?
Bon, là, à cette heure-ci, déjà, le temps que les gens prennent leur petit déjeuner, tout ça. Et puis bon, quand il n'y a pas de propague, ça donne pas envie de lancer des appels DX. J'ai commencé déjà sur QRZ. Zut, non, c'est pas Billy 2-4, c'est j'ai oublié. Bon, tant pis, quand ça me reviendra. Moi qui ai peut-être déjà... Ah oui, il a déjà embauché à cette heure-ci. Ah ah. Ah ah ah. Allez, ok, vas-y. Une voix féminine. Oh. 225. Mais ce qui est chiant, c'est que j'ai pas l'affichage des cadeaux à côté. Quel est le 22? Bon, vous êtes témoin, il y a du monde. Là aussi. Alors, on a dit ok, vas-y. Donc ça, c'est des stations en mille pattes, peut-être d'ébène, pour travailler en groupe comme ça, ou convoi. En général, les transports exceptionnels se mettent beaucoup plus bas. C'est quand, je sais plus, jeudi ou vendredi, j'ai entendu des convois exceptionnels en plein sur eux, je crois que c'était le 11, je sais plus, mais ils étaient moustachés par les Américains, pas possible, mais ça n'avait pas l'air de trop les déranger. Bon là, eux, ouais. Ça doit être certainement des bennes ou quelque chose comme ça. La Sibie n'est pas que loisir. C'est aussi un outil de travail. Pour ceux qui sont sur la route comme eux, faut pas l'oublier. Hachi. Je dis ça parce que il n'y a qu'en France où la plupart des gens partent du principe que la Sibie n'est rien d'autre qu'un loisir. Mais c'est faux. C'est archi faux. C'est, on condamne toutes les possibilités de la Sibie dans ces cas-là. C'est, la Sibie est un outil de travail. La Sibie est un outil d'assistance aussi. Elle peut très bien être utilisée en association et ceci, cela. La Sibie permet plein de choses. Oh, j'ai l'impression qu'ils reprennent le boulot aujourd'hui. Ouais. J'avais oublié ce canal-là. Canal 22, donc. Ok. Eh bien, c'est super, ça. Pendant les vacances, c'est vrai que c'était un peu retombé, mais là, ça revient. Et là aussi. Ça avait l'air plus loin, là, par contre.
T'as quelque chose qui me moustache là. Oh oh. Ça mijote là dans le coin. Là aussi. Ah ouais d'accord, là par contre c'est pas français. Ça se réveille un peu partout. Là il y a quelque chose. Ouais. Ouais, ça se réveille un peu partout. Là. Yes, c'est bon ça. Eh bien, nom de Dieu, juste avant que je démarre la caméra, ça y allait. Je dirais même un peu folklore. Ouais, ils doivent être sur la route. Ouais, ça s'éloigne. Alors, français ou pas, là, je sais pas, là. Oh, ça sent les pays de l'Est. Ouais. Pour être en FM, ce sont les pays de l'Est. En France et dans le reste du monde, c'est plutôt c'est en AM le 19. Sauf les parasites qui vont se mettre volontairement sur le 19 FM. Et il y en a. Mais bon, le plus rigolo, c'est qu'après, on retrouve leurs conneries sur Facebook. Ah, ah. Non, c'est pas du français. Oh, mais ça, c'est la propagande qui est en train de monter. Tu es sous français. Daniel, les parents, heureusement qu'ils sont là derrière, peut-être. Mais bon, tous les parents ne pourront pas se permettre. Je crois que j'ai compris le QTH. T'es la fréquence Facebook. Voilà, je passe très court dessus parce que, en espérant que YouTube me bloque pas la vidéo. Bon, après, il n'y a plus rien. Ouais. Bon, bah, si YouTube me bloque la vidéo, ça sera à cause de ce petit passage vite fait. Hein. Oh là, c'est cracra. Rien d'exploitable. Et pourquoi je suis pas plus près de Bordeaux ? Bon allez, faut que je me calme au niveau vidéo, sinon je vais en avoir 10 km. Faut
faut pas que je touche la caméra avant cet après-midi. Je dis ça parce que cet après-midi, si c'est comme tous les jours, on devrait être en QSO journalier avec le Québec. Ouais, ouais, ouais. Ah, le Québec. Sans oublier le canal 26 AM. Bon, là, à cette heure-ci, 9h28, c'est bien ça. Ah, 29 sur le réveil. Bon, c'est pas grave, on va pas chipoter. Presque. Presque 29 sur le réveil. Ils sont en train de dormir à cette heure-ci. Alors, si on regarde, ça fait pour eux du 3h30 du matin. Ouais, bon, c'est normal qu'il n'y ait personne de leur côté là. Ouais, j'ai entendu cogner à la porte. Les doubles bips de Gilles. Les 73-51, Gilles. De 14 km 33-01 à la Gironde. Allez, j'ai entendu ton double bip. Je me suis dit, ah, il cogne à la porte. Attention, 9, bravo Charlie, 5-5-5 pour 14 km, 33-01 Rémi. Bon alors, on voit pas, mais là, juste en dessous, là, j'ai la base. Je suis sur le canal 6 et ça y va à fond, la propague. Canal 11. Canal 18. Canal 19. Ouais, la propague est là. Mais comme d'habitude, en bas de bande. Ah oui, là je suis sur le 38 Lima Sierra Bravo. La propague n'est pas montée jusque là encore. Aïe mes oreilles. Ah si. 59 au niveau signal. 38 LSB.
à nouveau sur le canal 6. Je prends l'autre micro, voyez un petit peu sur le 19. Pendant ce temps-là, je garde une écoute ici. Et 73-51 des stations en fréquence d'Indy 33 sur le Castillonnet, le sud-ouest de France. Bon, c'est pas grave. Les 73-51 des stations en fréquence de la part de Dindy 33 sur le sud-ouest de France, secteur le Castillonnet. Et bon QSO pour ceux qui arrivent à m'entendre dans cette pagaille. Hachi, la propaguela. Ah ouais, ça reste bloqué à Santiago 7, 8, 9. Canal 6. Attention, 9, bravo Charlie, 5, 5, 5, 14 km, 33, 0, 1, Rémi. Bon, pour ce que je viens de faire, évidemment, c'est sur deux antennes différentes et surtout pas sur la même fréquence. D'ailleurs, on a bien vu là sur le Yazu, le signal est à peine monté. Bon ben, on verra ça tout à l'heure. Il doit être parti prendre son petit déjeuner, là, comme c'est là. Ah, il est de retour. Ouh, Santiago 6. Les 73 du matin, c'est vrai, Gilles. Puisqu'ici, il est 15h, 3h PM, là, ici, là, sur le sud-ouest de France. Comment vas-tu? Alors, je t'ai répondu tout à l'heure quand j'ai entendu les doubles bips, mais bon, ça passait pas, visiblement. Je me trompe de micro. Ok, attends, je me suis trompé de micro. J'ai pris le micro de la base Stalker au lieu de prendre le micro du Yazu. Hachi trois coups. Alors, de mon côté, au niveau météo, ben, c'est un grand beau temps gris. Bien nuageux, bien lourd. J'aurai 0 degré que je dirais que c'est un temps à neige. Mais là, j'ai un entre 4 et 5 degrés. Voilà ce que j'ai de mon côté.
Et avant que tu poses la question, ce matin, réveil à 7h pour profiter de la journée de repos. Et mon premier QSO, il a été en AM avec un jeune, justement. Et un jeune que je n'avais pas copié depuis un petit moment. Et là, ça a été super de le retrouver, là, en AM, avant que lui parte au travail. Les photos. Zut. Et 73-4-0, 14 km, 33-01, Rémi, sur le Castillonnet, sur la Gironde. Ah oui, quand même, plus verglaçante d'annoncer et tout. Ouais. Les photos, la vache, dans la précédente vidéo, j'ai oublié de mettre les photos dedans. Nom de Dieu. Là, tu vas venir me taper sur la tête. Et tu vas me dire, c'est bien la peine que je te passe des photos si tu les mets pas. Hachis trois coups. Désolé, frangin, je crois que j'ai oublié de mettre les photos, justement, de la neige et tout, là, chez toi, dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, j'ai intérêt à le faire. Hachis. Permission accordée. Merci, merci beaucoup. Salutations tout le monde. 73. Waouh, bon, il passe bien. Début de journée pour le Québec et puis bon après-midi pour l'Europe. L'opérateur ici est Eric. Mon lieu d'émission est dans la ville de Saint-Constant au Québec, sur la rive sud de la ville de Montréal. Là. Donc, je voulais prendre deux petites secondes puis vous saluer tout le monde puis vous souhaiter une belle journée, une belle après-midi. Ah ben pour le coup ça fait tomber Gilles de sa chaise. Il passe plus. Il a tourné l'antenne verticale dans sa direction. Cherchez comment on fait. Il est excellent leur accent. Accent rocailleux. Les 73 de Québec, Eric. 14 km, 33-01. Rémi, dundi 33 sur le Castillonnet, c'est-à-dire le département de la Gironde sur le sud-ouest de France. Merci Eric.
écoute, merci beaucoup, là, et puis on aura la chance de peut-être de s'en jaser. J'espère que ça passe bien de ton côté. Je sais pas si c'est à la verticale ou à l'horizontale. Moi, présentement, je suis à la verticale avec une centaine de sérieux 26, là, à 35. Ça marche bien, donc, une verticale. Ça, c'est un petit clin d'œil à ceux qui refusent d'avoir d'antenne verticale pour être que sur directive et que du coup ils sont obligés de faire sans arrêt la girouette. Quelqu'un d'autre derrière. Alors je suis en simple écoute pour le moment car je suis en même temps pris là sur à répondre sur les réseaux sociaux. Donc je vous épargne toutes les réponses que je donne à droite à gauche. Ouais, c'est tout QRP de mon côté. Alors, j'entends quelqu'un qui m'arrive dans le QRM. Alors, ça doit être un petit Santiago 1. Radio 2, 3, maximum. Radio 3, oui, grand maximum. Je dis ça parce que je reconnais quand même que c'est un OM qui me répond. Hachi. Donc, les 73-51 à la station, 14 km, 33-01 Rémi. Mais c'est trop faible, là, de mon côté, pour savoir qui c'est qui m'envoie les 73. Vraiment que j'ai réussi à comprendre. Bon, il appelle la division 9, donc je vais pas répondre à la place. Pour combler le blanc. Alors ce matin, de mon côté, ça a été... oui, Olivier, les 73-51, 14 km, 33-01, Rémi, sur le secteur du Castillonnet. Ben c'est très QRP là de mon côté, c'est pas simple. Je suis en train de faire une vidéo, donc j'imagine que dans la vidéo on entendra forcément mieux. Et surtout que j'arrange à chaque fois un petit peu derrière, hachi. Mais là, là en direct, là j'ai du mal à le sortir. Hein. Mais bon, j'ai quand même arrivé, j'ai quand même décodé hachi trois coups.
Eh bien, ça va. Ce matin, j'ai passé, j'ai passé les deux tiers de la journée dehors, à Achy. Avec la température, là, on est enfin en hiver. Achy. Donc, je me suis attaqué aux arbres fruitiers là que j'ai chez moi et tout ça. Donc, ça a été la taille des arbres et tout pour me mettre en forme pour la journée. Ça, c'est fait. Et toi, de ton côté, comment vas-tu? Ok, la pointe du Médoc. Oh, mais ça me parle. Mais oui. Oui, ça me parle. Oui, oui, affirmatif. Ok, oui, ça y est, maintenant ça me revient. Il n'y a pas de problème, ça y est, ok. J'ai un petit peu de mal à remettre le QRZ, mais là ça me revient. Je me souviens justement, depuis Marraine, si je me trompe pas, c'est ça. Depuis Marraine, le salon du Rêve 17 Marraine, une année justement, bah, c'est sur le dernier samedi de juillet. On avait fait un contact. Alors je sais plus si c'était le vendredi soir ou le samedi depuis le salon, mais il y a eu quelque chose comme ça. Ça me parle beaucoup, oui. Ok, bon, là, c'est vrai que là, j'ai eu du mal à te sortir. Hein. Alors, si ça ne te dérange pas, je vais faire un retour de micro sur Gilles, 9 Bravo Charlie 555, car bon, c'est quand même son QSO avant tout. Hein. Alors, je vais voir s'il est toujours en fréquence, si la propague n'a pas tourné, on verra bien. Retour à toi, Gilles, 9 Bravo Charlie 555. Ah ben j'ai l'impression que la propague a fait plouf là d'un seul coup. Bon ben c'est pas grave, de toute façon là je suis en même temps que je suis pris là de mon côté. J'ai fait un truc qui est pas bien. je suis au micro et en même temps je regarde des messages, je réponds à tout le monde là, sur les réseaux et tout ça. Et pour la concentration il y a mieux à faire comme connerie. Donc je vais passer momentanément en QRX, le temps que la propague veuille bien revenir, le temps qu'on puisse avoir à nouveau le Québec-Canada en fréquence. Ah, ça devrait vite revenir, je pense. Je te dis à tout à l'heure. Ça passe plus. Et 73-51, Louis, 14 FTX 222, de 14 km, 33-01, Rémi. Je te vois sur le web SDR de Ottawa, Achy 3 coups. Excellent. Bon, je t'ai pas eu en direct. Là, ça passe pas chez moi, mais sur le web SDR d'Ottawa, y a pas de problème. C'est excellent. Ça m'est déjà arrivé de faire comme ça aussi avec une autre station. Je sais plus sur quel web SDR. Et justement de émettre via le poste, écouter via un web SDR. C'est excellent. Oui, tu as Louis derrière, 14 FDX 222, Louis. On a parlé en même temps. Je m'en suis rendu compte, vite. C'est pas Joël, c'est Louis.
Non, c'est 14 FDX 222, Louis. C'est quoi ce langage de sourd? Je comprends pas. Pourquoi j'ai pas compris? Voilà, Louis. Des fantômes dans la boîte. Je vois Louis. Et c'est juste. Bon, j'arrête de chercher à comprendre. Le nord de France, les 73 du nord de France, du sud-ouest de France. Et je souhaite une super bonne année 2024 avec cela.
Le voilà, le voilà, le voilà. Enregistrer le break. Ah. Ça fonctionne bien, c'est Nathalie pour le 51. C'est Nathalie, mon ami. Oui, ben oui, ça fonctionne bien, le stéréo. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça marche. Quand la porte est ouverte, on voit que ça fonctionne très bien de ton côté, Eric. Ça monte. Suivant, il y a 14 kilomètres, quelque chose. Il a un bon petit décalage. Non. Hop. Ouais, je crois qu'il est revenu sur la fréquence. Suivant comment le poste chauffe, il se balade un petit peu. Bon, c'est pas bien méchant, ça. Un poste, sa vie aussi. On l'entend, hein, mais c'est QRP. L'XY elle vient de débaucher. Thank you.
30 km au sud-est de la rue de Reims. Je reviens. Bon, je m'en vais passer en QRT. Peut-être à tout à l'heure, on verra bien. Ouais, bon, ils sont en train de se parler. Je vais pas couper le QSO. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Je me retirerai en pointillé momentanément. Et cappuccino. Bon, j'en profite, de retour. Original, il est sur les îles, je crois. Je sais plus. Il faut que je regarde sur sa liste, hein, Agile. Dans ses vidéos, vers la fin de la vidéo, quand il y en a plusieurs, c'est sur la dernière vidéo. Il y a la liste des contacts. Pas moi, je n'entends pas. Bon, j'avais oublié de remettre le volume sur le web SDR. Ok, bon là, on va bien voir si on l'entend. Désolé d'avoir baissé le volume. Ah, il passe pas. Puis, ce que je me souviens,
Il passe par tous les trous, Jean-Claude. Les bottes 73, Jean-Claude, si t'arrives à m'entendre. 14 kilobytes, 3301, Rémi, sur le Castillonnet, département de la Gironde. Je t'entends aussi bien sur le web SDR d'Ottawa qu'en direct au QRA. Là, c'est QRP. Merci Jean-Noël, les 73 51 à toi, 14 km 33 IOA Rémi. Hop là. Ok, désolé d'avoir surmodulé. J'étais entendu Jean-Noël via le web SDR d'Ottawa. Ah chi, il faut que j'aille écouter au loin pour entendre ce qui est plus près. Donc bon après-midi, bonne fin d'après-midi à toi Jean-Noël. Putain, mais je suis pas sûr de l'envoyer. Bon, j'entends plus personne de mon côté, Gilles. Ah, je triche au niveau écoute. Oui, merci, je l'ai eu à 100% via le web SDR de Ottawa. Parce que c'est vrai que chez moi en direct, il passe pas. Hein. Mais via le web SDR Ottawa, il est passé comme une tonne de briques dedans. Eh bien, j'ai les grandes oreilles d'ouverte, et que ce soit en direct, enfin que ce soit à la station ou sur le web SDR d'Ottawa, non, là, j'entends plus personne non plus. Hein. Oui, oui, et puis bon, faut dire aussi que les stations profitent de la propague, hein, et font d'autres QSO sur d'autres fréquences avec, hein. Ils en profitent, hein, et ils ont bien raison en plus. Ben oui. La vôtre. Oh oui, monsieur. Hachi. Il y a quelque chose là. Non. Zut.
Il me semble deviner quelque chose dans le lointain, mais c'est beaucoup trop QRP, quoi. Bon, j'entends des voix. Bon, d'accord. Ça va, tout va bien. Bon, ben, tu sais pas, vu que déjà on se parle pas mal par Messenger, que là, c'est vrai qu'on arrive à court d'arguments. ben, je vais passer en QRT là de mon côté. Je vais m'atteler là de suite maintenant, présentement, au travail vidéo. Comme ça, quand les tiennes sont arrivées là tout à l'heure en soirée, eh ben je pourrais les attraper. Ben, dès que tout sera rendu, je pourrais les attraper en suivant et puis m'attaquer aux tiennes après, quoi. Donc là, je passe en QRT, les bonnes 73-51 à toi, Frangin. Il est quelle heure chez toi? Il est quelle heure? Il est 10h... qu'est-ce que je raconte? Oui, il est 10h25. Eh ben, bonne fin de matinée de ton côté, bon gastro solide après en suivant, bon déneigage aussi, et à plus tard. Hachis de coup, tout ça retourné et amplifié de ton côté également. Yes, yes, yes. Oui, monsieur. Merci, bye. Oui, monsieur. Oh, que oui. Alors, je ne reconnais pas la langue. Beleza. Tô falando lá. Eu mesmo falei que eu que sou portadora sem querer. Você conhece meu microfone aqui? Cadê você? Ah, c'est calme sur la fréquence Facebook. Alors là, je suis bleu. Et j'ai pas testé là. Je suis pas sûr. Attention, le Québec-Canada pour le sud-ouest France. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Attention, le Québec-Canada pour le sud-ouest France. Le réglage du micro est limite haut, avec le filtre DSP derrière. Ce qui m'oblige à m'éloigner un petit peu du micro, du haut-parleur.
du speaker en québécois. Ouais, puis on descend. Puis ça monte. Bon, allez, je vais pas trop traîner. Alors, je passe en QRT, 73-51 à tous, et là je me mets en stand-by sur la fréquence moniteur KiloMic 27-325, autrement dit canal 32, car le groupe KiloMic est à partir d'aujourd'hui en plein contest jusqu'au 29 février. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.